Et salut, Break 268. Hey, j'aurais pu corriger ça. Hein. J'aurais pu corriger ça. Peut-être même que je vais le faire là. Checker bien ça. Ça marche, je fais ça ici. Ouais, ça marche, je fais ça ici de même. Tout va bien, il fait bien. Break 268. Random, trois boîtes que j'aime bien en plus. Là. Les petites série 1, série 2. De 18-19 et série 2 de l'année passée. Donc, on peut avoir du gros shit là-dedans. On va faire le random tout de suite. On va checker ça. On va checker ça. On doit brasser les dés 9 fois. Et on y va. Regardez bien ça, 9 fois. Après ça, je vous dis vos teams. Puis on commence ça, ce beau brick-là. Faut juste que j'aille me chercher des sleeves. Ça va prendre 2 secondes et quart. Je pense même qu'ils sont juste là. Fait que... Et final round! Ouais, c'est ça. J'ai eu un petit creux, puis là, je me suis commandé de la bouffe. Je me suis dit, il fallait absolument qu'elle arrive avant que, genre. Faut pas que ça cogne pendant que je break. Je fais ça finalement. Dans 2 minutes, je m'en vais me chercher ma bouffe. Boston Brown, Sylvain Tremblay, Maxime Legault, les Sables, la Caroline, Tommy Gagnon, que 3 spots, Steve Robitaille, les Blackhawks, Colorado, Yakov Moscal, qui pourrait se partir avec une petite. Karl Makar, gros retour. Ouais, moi j'ai commandé chez Bravo Pizza et je mange des pitas là-bas. J'adore ça, man. Même si c'est des pizzas qu'ils font, là, j'adore manger des pitas là-bas. Là. Un petit duo, là. Un petit combo de 2 pitas, 2 frites. Là. 16$. Ok. Ensuite, Colorado, Columbus, Jean-Michel Perron, suivi de Jean-Yves Perron, les Stars, Michael Asselin, les Red Wings, Sonny Dubé, les Oilers d'Edmonton, Tommy Gagnon, la Floride. Floride encore pour Tommy, les Kings à M. Laroche, Cardona, le Canadien, Dave Laroche, ensuite Nashville, Devils, Samuel Gauthier-Diane, Islanders, Dave Laroche, Rangers, Simon Bédard, Joe Fletcher, Ottawa, Philadelphie, Dave Vien, les Pingouins, GF Latreille, donc là la chronologie va être à surveiller pour toi mon ami, Sylvain Tremblay, les Blues, The Lightning, Tommy Gagnon, les Leafs, Christian Laberge, les Robitaille, les Canucks, gros team aussi parce que on a... du Quinn Hughes, peut-être. Oh non, on n'a pas du Quinn Hughes, c'est vrai. On peut avoir sa canvas. Jason Wright, que les Coyotes, les Jets, David Vien, les Ducks, Wild de San Jose, Calgary à Mathieu Marceau. Et j'avais dit André Andrew, Janto se retrouve avec Vegas et Capitals à Dave Laroche. Ok. Bien qu'on a de voir Yakov qui fait un petit comeback, et de temps en temps, il reparticipe. Il y a eu une passe où il participait beaucoup, puis là, j'aime ça de le revoir des fois à l'arrivée out of nowhere. Toujours une surprise de voir son nom, toujours bien content de voir son nom. Et là, on va aller m'écoller ça. Et voilà! Fred Gagnon-Jumiac qui demande si ça va être le dernier break de la soirée. Qu'est-ce qui arrive, c'est que, tu sais, faut que j'entretienne ma vie de couple. Puis, malheureusement, j'aime plus ma blonde que vous. Fait que je vais aller voir, mais c'est sûr qu'après ça, je vais aller passer du temps avec ma blonde. Si je m'endors pas, je vais peut-être venir en faire un à minuit après, là, mais on verra. Donc, on va faire la série 2, 18-19 en premier. Après ça, la série 19-20, la série 2, 19-20 ensuite. Et on va finir avec la chrono, les chums. Mais je vais aller chercher mes sleeves, comme je vous ai dit, parce que sinon, on va faire dur. Ok, donc on prend une petite gorge avant de commencer. Hey, j'ai vraiment hâte que la série 2 sorte. Peut-être un petit Whisper Edition. Je viens de Saint-Cartier qui est venu. Je viens Charles qui est venu nous voir à la boutique hier. Je viens chercher ses cartes. Jason Wright aussi. Aujourd'hui. Qui est venu chercher sa petite Kotkaniemi qui voulait faire grader. Mais finalement, il a trouvé preneur. Donc il y a quelqu'un qui est venu hier.
Ben Tremblay qui dit entretenir son couple, il dit si elle va accoucher seule. Félicitations, je savais pas que t'attendais un enfant. Donc félicitations, mon ami. Et là, sûrement que j'ai baissé le son, là, c'est sûr que ça fait ça. Donc, Sylvain Tremblay, originaire de Val d'Or. Je pense que t'es tout seul à ta gang, là. Tu as participé, ça se peut-tu, là? Et là, hier, je me suis dit, oh, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Je me suis parti une genre de mode de franchise là, à NHL. Là. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait ça parce que je m'en fous de jouer contre les ordi. Et la valeur des recrues, là, ça n'a aucun sens comment ils sont pas. Team Studzall, là, il est genre dégueulasse. Là. Ok, donc dans la série 2, 18-19, on pourrait avoir de la Vejnikov, de la Carter Hart, de la Kotkaniemi. Hein? Donc, on pourrait aussi avoir Canvas. Canvas de Hughes. Pas Hughes, mais Canvas de Peterson, Canvas de Dallin. Et Canvas de 18-19, c'est rien, il y a. Kotkaniemi, Dallin et Peterson. Donc les trois, on pourrait les avoir en canvas. Bonne chance à tous. Et on commence avec une rookie material. Dylan Sekura pour les Blackhawks de Chicago. Steve Robitaille, c'est toi qui pars avec le premier hit. Ensuite, on va regarder ce qu'on a. Et on va avoir une portrait. Yudi. Rookie Portrait, Denis Kolaski pour les Red Wings de Détroit. Et on avait une Kreider Base en dessous. Ouais, oui, c'est dans la série 1, mais on peut avoir ça à Canvas, c'est ça que je voulais dire. Et on a une petite Cooper Marody ici. On prend une. Il y a Vejnikov. Il y a Kirby Dack, c'est ça, c'est Kirby Dack qui est dans la série 2, 18-19. Non, Kirby Dack est dans la série 19-20. Qui, man, c'est qui déjà là, dans la série 2, là, à part Vejnikov, puis il y en a un autre, là. Vejnikov, Carter Hart. C'était Cooper Marody, premier Young Gun pour les Oilers. Et là, je vais mettre le jersey, là. On va le mettre, le jersey. Non, mais c'est plus gros que le gars de Buffalo, là. Middlestat, là. C'est sûr, il y a quelqu'un de plus gros que ça, je me souviens plus c'est qui, là. Mais c'est pas juste Carter Hart, c'est Vejnikov. Il y en a un autre. Un autre qui est quand même vraiment frais, là. Peut-être que je me trompe, là. Il y a Brady. Ouais, ça se peut que dans le fond, je me mélange là. On a une petite Victor Hetzel ici. Parce qu'on en a sorti une Vejnikov hier. Fait que. Kubalik est dans la série 19-20. Jason. Ça, je suis sûr à 100%. Bref. Peterson Canvas, mais pas Peterson. Bon, ben laissez faire là. C'est pas grave. On va sortir la Color Art et tout. C'est celle-là qu'on va sortir. Puis peut-être la Brady. Samuel Montembeau. Yudi. Rookie Portrait. Fait que là, jusqu'à présent, les inserts qu'on a eu, c'est deux Rookie Portrait. Et un chandail. Sinon, on a eu que des hits. Non, ouais, une petite Jesperi Kotkaniemi ici. Marky Rookie. Recrue brillante. Au péché. Et le reste, c'est des bases. Je trouvais que Capo, exactement. Non, ça c'est 19-20. Oh! Bon, 18-19 là, il y a juste Brady.
Et Brady, Tkachuk, puis notre chum Carter Hart. J'ai-tu dit Brady, Tkachuk, puis notre chum? Bref, Vejnikov, Carter Hart, on s'en fout, let's go. Recrue brillante, Austin Wagner pour Los Angeles. Et on continue ça. On n'arrête pas, les gars. On n'arrête pas le progrès. Une Young Gun de Dylan, c'est courant pour les Blackhawks. La deuxième Young Gun pour les Blackhawks. Blackhawk. Et j'ai pris une grosse livre. Like an idiot. You know, it's tough to be an idiot in this world. Ça fait longtemps aussi que je n'ai pas fait une édition en anglais. Hein. Donc Steve Robitaille, qui a les deux. Qui a deux Young Guns sur trois jusqu'à présent. Hey, puis pour vrai, j'ai bien regardé là, la petite Yuli Canvis, Brad Marchand. Et là là. Ont du plaisir, hein? Le mur de. Ça devait être durant le voyage. Je suis sûr, c'est ça. Yuli Park Canvas, Boston. Ben, je suis persuadé que c'était durant le voyage. Waga. Nicolas Roy. Jared Anderson Dolan, et là on s'en va vers une boîte assez de base, je vous dirais. Mais là on sort toutes les Young Guns en partant, et il reste quand même beaucoup de paquets de cartes. On va avoir une clear cut, peut-être que oui, peut-être que non. Parce que là on a deux Young Guns, quatre Young Guns, puis il reste quand même beaucoup de boîtes, beaucoup de paquets à ouvrir. Une Travis Dermott, Yuli Rookie Portrait pour Toronto. Et une Ryan O'Reilly Base au péché qu'on va envoyer parce que c'est une insert de cette boîte-là. Et voilà, il y a Samsonov, lui c'en est un. C'en est un que genre j'aimerais peut-être avoir là. Ça peut pas avoir les deux autres là. Dans tous ceux que tu viens de nommer, ça serait lié à Samsonov, celui que je préférais avoir. T'as pété le nez en marchant. Mais je m'en souviens pas parce que. On s'est jamais vu, là. Mais. Ça a l'air d'être une pop histoire, ça. Igor Ozigavov. Une OPC. Silver. Et une Prussian Veselainen, rookie, Jet OPC. Une Canvas Victor Hedman pour Tampa Bay, Tommy Gagnon. Mais dans le fond, Tommy, t'as les deux états, toi. Dans l'état de la Floride, là, t'as les deux teams. Poppy. Les Panthers et. Les Panthers et le Lightning of Tampa Bay. Vous écoutez Fred Bombardier sur les ondes de Savage Radio. Philippe Hornek, Red Wing de Détroit. Il semble que ça fait un bout là, j'ai passé des cartes là. 3 minutes là. J'ai dû passer quelque chose. Non. On va voir un. Oh! On a une canvas. The Corner McDavid devant Sidney Crosby. C'est vraiment une belle carte, par exemple, honnêtement, l'Edmonton. Sonny Dubé, là. Les deux, un en face de l'autre, là, c'est vraiment. C'est sharp. Juste tasser base. Tu 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 party. Tu 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 tu.
Je m'en vais d'aller au Centre Bell. J'ai hâte d'aller au Centre Bell. Et le reste, on a une checklist. Payday, ok. Hier, j'ai fait un calcul. J'ai même fait un memes là-dessus. Tu sais, je veux pas partir de débat, je veux pas parler de genre si vous êtes pour ou contre. Mais là, mettons, si on se dit que c'est avec le vaccin qu'on va pouvoir tout ressortir. Igor Julienov. Lui, ça fait à peu près 4. Il donne à peu près 4500 doses en moyenne par jour. On est 8. 5 millions au Québec. Puis maintenant là qu'il faudrait comme vacciner tout le monde. Vu qu'on est 8,5 millions, j'ai calculé ça et ça prendrait 6 ans avant qu'on soit tous vaccinés. Anthony Cirelli. Elias Anderson pour les Rangers. Nice. Ça a une belle ça. C'est fou là, quand même là, à quel point ça va vite la vaccination. C'est Leon Anderson. Joe Fletch qui demande si j'en fais un autre après. Je ne peux répondre à cette question, Jonathan, que les sénateurs. Je ne peux répondre à cette question. Je ne sais pas moi-même. Leon Anderson, Young Gun. Si oui, ça va aller à plus tard, vraiment plus tard. Genre minuit. Là. Que je vais juste peut-être en partir un. Mais il y a des bonnes chances que non. Faut que je profite du temps avec ma blonde. La vie, ça passe vite, hein, Joe. La vie, ça va vite. La vie, ça arrête pas. Fait qu'il faut profiter des belles petites choses de la vie, Joe. Ouais. Je suis philosophe. 2,5 millions par jour de vaccins aux États-Unis. Recru. Dylan Dubé. Et notre dernière Young Gun. Et c'était une boîte de Young Gun assez ordinaire. Bon, LA Sheldon Rampole. Pour notre ami de Los Angeles, Dave Laroche. Mais là, Chicago et Los Angeles qui ont tous deux cartes Young Gun. Donc, Chicago, deux cartes ici. Je pense que ma blonde vient de rentrer. Ou pas. Ok, LA deux cartes. Chicago deux cartes. Yeah. J'espère que dans la série 2, la prochaine, on va voir de quoi de gros. Canvas d'Ovechkin qui regarde la bannière. La reverra-t-il un jour? Base. Base. Et on s'en va dans série 1 aussi. Série 2. L'année passée maintenant. Tu sais, mettons là. Je pense pas qu'il y ait plante. Bon, je veux pas parler de ça. Non, mais c'est parce que Pablo, on va se coucher bientôt, puis je pensais qu'elle venait me dire bonne nuit, mais je pense qu'elle pas. Je pense qu'elle rentre pas maintenant. Non. Non. Elle dit non. Je vais reculer les cartes. On va avoir de l'espace un petit peu. Et là, par exemple, on en a plein, là. La Kirby Dak, la Suzuki, la Capo Caco, la Calmacore, la Canvas Use, les deux, la Canvas Cooley Glass.
Honnêtement, 19-20, là, ça a vraiment été une bonne année jusqu'à présent pour les rookies. Honnêtement, là, c'en est une pas pire pantoute, on va se le dire. Kirby Dak, je trippe moins sur lui. Honnêtement, t'sais, Steve, je sais qu'il est cool, là, Kirby Dak, là. Mais j'embarque pas tant dans le Ben Wagon de Kirby Dak, tu sais. Les cartes de lutte, ils ont été shippées. Non. Les cartes de lutte ont été shippées dans le celui d'avant, là, celui de la semaine passée, pour répondre à la question de Michael Asselin. Une Corner Bonhamin, recrue de renom. Non mais Jason, je le sais, là, mais tu sais Nashville, là, notre ami... Oh nice, une fluorescence, ça c'est très très nice, ça c'est, j'adore ça. Une numérotée sur 150, la 52e pour LA, Dave Laroche encore, regardez comment qu'elle flash, la fluorescence. Fluorescence de Monsieur Carl Grundstrom, mets ça tout de suite dans un. Upload. Fait Caprizov là. Caprizov, là, il y a quand même, tu sais, genre 23 ans, là, bientôt 24, là. Fait que, tu sais, je suis comme, je me garde des réserves, mettons. Une E2, Luz Tenarinen, la première Young Gun, s'en va à Caroline. Imaginez, hein, ça avait été une autre Vejnikov, j'aurais viré fou. Mais il n'y a pas. Écoute. Elle s'en vient peut-être, la Vejnikov. Mais non, la Vejnikov, elle s'en vient pas, on est dans 19-20. Alors, elle serait déjà sortie. Là, malheureusement, on va tasser les Young Guns, on va la mettre ici. Bring, 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 bring. Give me a break, give me a break. J'ai encore faim. Mais genre là, je prendrais genre un dessert. Ah, oh, je mangerais. Oh shit! Oh man, je capotais là. Donc une update. Young Gun. Pour célébrer les 30 ans. Une 1 de 1. Winnipeg. Pour une 15-16. Nicolas Payton. Une 1 de 1 quand même. C'est pas rien, mon ami là. 1 de 1. Winnipeg. Les Jets. Jason Wright, t'as une 1 de 1, là. Regarde, 1 of 1, Young Gun, Update, 15-16. Pas pire, ça? Payton. Ouais, mais à goût de salé, j'ai le goût de sucré. Lol. Belle petite carte. On a des petites inserts, là, cool, là. Une 1 de 1! On va la mettre même si... Mais faut faire attention avec les updates 1 de 1. Parce que des fois, ça veut rien dire. Leanne Berkman's UD Portrait Rookie. J'avais viré fou à un moment donné pour une 1 de 1. Puis finalement, la carte elle valait genre 77 cents. Parce que c'était une update justement comme ça, mais c'était pas une Young Gun. Jabal Farabi. J'avoue qu'une Young Gun, c'est quand même assez classe. Hein. Jabal Farabi. Notre ami, Jabal Farabi. Mais quand même impressionnant, une 1 de 1. Fait qu'imagine, là, il explose là, soudainement là, après 5 ans. Là. Ben, tu sais, quelqu'un qui fait une PC peut-être. Parce que moi, là. Ben. Tu vas faire une recherche sur genre combien il vaut sa Young Gun tout court. Puis tu sais, dis-toi qu'elle va valoir genre peut-être
trois fois plus que Cy Young Gun. J'imagine. Cal Palmieri ici. Play Devils. Canvas. Jacob Trouba base au pitchy. C'était comme une vieille carte de bagarreur. Là. Une Elvis Merzlikin recrue de renom. Donc la variation bleue au pichy. Hein, c'est des bases. Fait que tu sais, là, vu que c'est un Young Gun, genre je vais me garder des réserves. Puis retirer ce que j'ai dit parce que. Ce qui est le fun, c'est que là, on dirait les gens. Ils réalisent que c'est les Young Guns dans le fond. Qui gardent sa valeur dans la vie. Là. Adam Fox, Justin Wright, j'ai hâte de voir comment elle va sortir chez PSE. Man, nice, Jonathan Davidson pour Ottawa, Rookie Portrait. Et t'as Adam Fox, Future Watch. Une Tyler Seguin pour Dallas. Dallas Stars, Jean-Guy Perron. J'espère que tu vas bien, Jean-Guy. J'espère que tu vas bien. Et on a une Dimitro Timashov pour Toronto. Base, base, base. Et là, il me semble qu'on n'est pas rendu à beaucoup de Young Guns jusqu'à présent dans cette boîte-là. On en a une ici. On en a une de trouver. On en a deux de trouver. Je pense pas qu'elle la compte comme être comme une Young Gun dans le lot, honnêtement. Là. Donc, je peux pas la compter. Ouais, j'imagine, Simon, que ça va être cette Young Gun à cause de ça, parce que ça, c'est visiblement pas une Young Gun régulière, et c'est pas de la même année, fait que... Oh, nice! J'avais oublié, lui. Barry Tayton, c'est peut-être la recrue que tu veux avoir. Ben, celle-là, tu veux. C'est celle-là que tu veux en Arizona. Donc les Coyotes, Jason Wright, c'est lui que tu voulais. Quand t'as l'Arizona et les Jets, c'est lui que tu veux à 19-20. Mais beaucoup de gens en veulent plein. Pip. Ok, je vais aller me chercher des tableaux. Ok, on y va, let's go. Nick Suzuki, Yuli, Rookie Portrait. Je pense qu'on va avoir une capo caco, je le sens. Mario Ferraro, recrue de renom au péché. Donc, il manquait la... Barrett Ayton. Mais on l'oublie, man, dans le 19-20 du Barrett Ayton. On l'oublie tout le temps. Tout le temps, on l'oublie. On l'oublie. Même quand t'es Arizona, t'oublies qu'il y avait lui. Jérémy Lauzon, c'est sûr qu'il a déjà sorti Rookie. Canvas, Taylor Hall, Brotherhood, Play Devils, lui qui est rendu à Buffalo. Fait des flamèches avec Jack Eichel. Et on va avoir une 2, on va avoir une petite Young Gun. Andrew Peak pour Columbus. Pour le Columbus. Jean-Michel Perron. Première fois que je break avec toi, je pense, Jean-Michel. D'habitude, c'est avec Jean-Guy.
Et là, on est à 1, 2, 3, 4. Il nous en manque 2. Il nous en manque 2. Let's go. Checklist. Une Semillon Varlamov au péché. Green. Mais sont complètement cinglés ces cartes-là, je trouve, de OPC en carton en arrière. Tu vois que c'est du carton recyclé, j'adore ça. Zéro lustré. Let's go, amenez-en du carton. Emile Brännström, Columbus encore! Columbus! Jean-Michel! Il nous reste une Young Gun, nous! Ça va être laquelle? Et là. Oh, je sais que c'est vintage, c'est comme les cartes de Gretzky, tout ça. C'est fou ça, pareil. Puis, il y a une Michael DiPietro Clear Cut Young Gun à vendre. Sylvain Tremblay, si jamais. Adam Fox, rookie. Ouais, non, là, donne-moi donc des cartes, là. Donne-moi donc une grosse carte, là. Ouais, non, monsieur. Ouais, non, monsieur, carte, là, let's go. Noah Dobson, recrue de Renault. Base, base, base. Base, 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 base. Base, 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 base. Une en carton, ben quoi. Ok, on va aller sortir celle-là en premier. On a une Kirby Dack, recrue de renom. Pour Chicago et Steve Robitaille. Ok, au moins tu dis que t'en as une en carton. Au péché. Il reste deux hits et une Young Gun. Oh, nice! Kang Young Gun Nashville, Dante Fabro. Dante Fabro, Nashville, Tennessee, Dave LaRoche. Dave LaRoche. En même temps, qui tu voudrais avoir là? Jason. Parce que là, t'as déjà eu ta Barry Tatum. Winnipeg avec qui l'année passée? Il était dans Syrien, puis c'était Gilles et Nova. Il nous reste une. Et là, j'ai de la misère à aller. Et c'est une Rampant League! Donc là, c'était la soirée des petits clubs ce soir. Nashville, Dave LaRoche, Young Gun régulière, Rampant League, en plus d'avoir la Dante Fabro. Ah oh ben, on va bien, les petits clubs. C'est pas du bout qui va passer à l'histoire, mais quand même, on a quelques belles histoires telles que la 1 de 1. Et la fluorescence ici. Donc finalement, ça a quand même bien été. Et le reste, ce sont que des bases parce que je suis allé chercher le hit en bas en partant. Et là, Michael Asselin qui souhaite avoir une. Et il envoie de la positivité à tout le monde. J'aime ça, Jason. J'aime ça. J'aime ça. La chrono que j'ai ouvert hier. J'avais oublié à quel point sont légères. Il y a seulement 4 cartes et. Elle est vraiment légère. Je suis pas sûr qu'il y a une tic là-dedans. Non, il n'y a pas de tic là-dedans. Il n'y a pas de tic là-dedans. C'est très, très, très mince. Donc là, on a peut-être une Redemption. Fait que Pittsburgh, Redemption, ça se pourrait, j'ai fait la trail. Donc effectivement, c'est juste des cartes minces. Redemption. Ok. On va regarder vite fait s'il n'y a pas la Redemption. Ouais, il y a une Redemption. Ok, on va aller voir notre base. C'est une. Pour les Islanders, Endersley, la 58e sur 222. Endersley sur 822.
Je vais regarder vite fait la Redemption, pour vrai, là. Juste voir. Je vais regarder, allez. Fait qu'on va en dessous. On a une Johnny Boychuk ici. Signature, Islanders encore. Et là, c'est ça qui est drôle, c'est que dans les boîtes, c'est comme si là, il y avait comme. Bon, il y a deux. Nashville, deux Young Guns. Chicago, deux Young Guns. LA, deux Young Guns. Islanders, deux cas. Johnny Boychuk ici. Signature. Super sous-estimé, Johnny. Honnêtement, super sous-estimé. On va aller chercher notre dernière carte. C'est une Jane Van Riemsdyk. À l'époque, qui portait les couleurs des Flyers. En fait, il était encore là, je pense. Je me trompe avec Toronto. Il était à Toronto. Il a commencé à Toronto, puis il est parti à Philadelphie ou ça. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Van Riemsdyk, numéro 25. Belle signature, même si elle semble avoir manqué d'encre. Philadelphie, c'est à qui? C'est David Vient. Et notre Redemption, Redemption, on va la lire ensemble. Ok. Et 19-20 NHL chronologie. Leaderman Patch Auto. Donc Patch Auto, ça c'est sur 15. Ok. Sur 15. Les Igor Shesterkin. Donc, le jeune. En fond, c'est la rookie. La belle rookie 19-20 de monsieur à New York, Simon Bédard. Simon Bédard. C'est tatoué, ça, mon ami. Donc, Simon Bédard, c'est à toi. New York, qui attendait à la fin avant de sortir de quoi. Non, il y a eu une Elias Anderson tout à l'heure, Young Gun. Et là, on se retrouve avec celle-là. Fait qu'au final, on va peut-être se retrouver avec quand même 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Young Guns. On aurait dû en avoir 12, on en a 14. Oh ben. Et on a aussi eu la florescente Carl Gunstrom. 52-150 et la Rookie Material Dylan Soucaré. Ainsi que la petite Igor Shesterkin Autopatch sur 15. C'est quand même bon là. Fait que tu sais, mettons, c'est Autopatch, ça veut dire que c'est comme c'est un jersey là, que dans ta lettre, c'est pas du plastique comme ils ont fait là, les autres. Johnny Boychuk, Islanders, Sidney Crosby et Jim Brandon Wright, Franchise. Et voilà. Donc là, je vais vous laisser. Et si je reviens, là, ça va être. Si je sors un autre break, ça va être après minuit. Là, fait que. Comptez pas là-dessus, je vous le dis. Là. Mais si jamais ça arrive, là, moi je m'en vais manger. Mais demain, c'est samedi. Demain, c'est journée break. Donc, demain, toute la journée, Hugo, là, il aime ça le samedi, là, faire le party. Fait que. Vous dis à bientôt, les amis. Merci, Tommy. Passe une belle soirée. On dirait que. Je suis déçu aussi de ce break là. J'aurais aimé ça sortir des grosses cartes comme d'habitude. On va mettre une big là. Une signe sur 25. Là. Corner McDavid. Ciao.